Bonjour et bienvenue à cette vidéo consacrée au folate. Et dans cette vidéo, nous allons aborder surtout l'absorption intestinale, le transport et le stockage de cette vitamine. Je rappelle que l'alimentation apporte des folates sous forme de polyglutamate. Ces polyglutamates doivent être hydrolysés en monoglutamate grâce à des conjugases. La première, elle est d'origine pancréatique, c'est la gamma-glutamyl hydrolase. Et la deuxième, c'est une conjugase liée à la bordure en brosse du jejunum qu'on appelle la glutamate carboxypeptidase 4. Après cette transformation en monoglutamate, l'absorption des folates se fait au niveau du jejunum. Et cette absorption dépend de deux mécanismes. Le premier est actif et saturable, il dépend du pH acide du milieu. Le deuxième mécanisme est une diffusion passive, lorsque la concentration en acide folique est supérieure à 10 micromoles. Après avoir été absorbés par les cellules jejunales, les monoglutamates, qui sont des dihydrofolates, vont subir une réduction grâce à la dihydrofolate réductase, aboutissant à la formation des tétrahydrofolates. Ces tétrahydrofolates vont subir soit une méthylation, donnant naissance à la 5-méthyltétrahydrofolate, ou une formylation, donnant naissance à la 5-formyltétrahydrofolate. Cette 5-formyltétrahydrofolate est la forme de l'acide folinique, alors que la 5-méthyltétrahydrofolate est la forme plasmatique sanguine des folates. Dans le plasma, la 5-méthyltétrahydrofolate est capable de se fixer à deux protéines bien distinctes. La première, c'est l'albumine, qui est une protéine de faible affinité aux folates, alors que les folate binding proteins sont des protéines d'affinité élevée aux folates. Et cette folate binding protein est capable de se lier à la membrane cytoplasmique de différents tissus, comme le tissu hématopoïétique par exemple, et elle est soluble dans différents fluides tels que le plasma, le liquide céphalo-rachidien, etc. Les folates sont alors acheminés au foie, puis redistribués aux tissus périphériques sous forme de 5-méthyltétrahydrofolate monoglutamate, ou encore recyclés en suivant le cycle entérohépatique. Au niveau des cellules utilisatrices telles que les érythroblastes, les monoglutamates peuvent pénétrer à l'intérieur des cellules grâce à des récepteurs membranaires tels que les protéines transporteurs des folates réduits, qu'on appelle en anglais « the reduced folate carrier » et le récepteur des folates, « folate receptor ». Ces deux récepteurs vont permettre la pénétration des folates à l'intérieur des cytoplasmes grâce à un mécanisme d'endocytose. Une fois à l'intérieur de la cellule, les 5-méthyltétrahydrofolates vont subir une déméthylation, entraînant la formation de la tétrahydrofolate. Puis les tétrahydrofolates vont subir une polyglutamination grâce à la polyglutamate synthétase.